Petit arrêt nocturne au col de la Loge, c'est à côté de Thiers, à 1250 mètres d'altitude. Bon, ça nous a permis, comme tu vois, de faire une pause dans le voyage. Regarde ça comme c'est joli. Vu là, une pause au bord du lac là. Voilà. Là t'es le roi du monde. Hein. Tu te poses ici à rien. T'as vu ça? C'est pas non plus un fleuve, hein. Ni une rivière, hein. Mais bon, moi ça a vite fait de me mettre en difficulté. Oh putain, oh qu'est-ce que je te dis, ça a vite fait de me mettre en difficulté. Oh fudge, les bâtons qu'il fallait que je tienne. Voilà, bon, les champignons, ce sera probablement pour une autre fois. Je sais pas si t'entends les cloches des vaches au loin. Tu vois, c'est pas faute de savoir. Enfin, si, c'est aussi. C'est aussi par manque de connaissances. Et puis, je sais pas quel terrain exploiter pour trouver des champignons. Mais il y en a, tu vois, des champignons d'en trop. Hein. Après, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Tu vois, j'ai pas assez de connaissances là-dedans. Et puis je sais pas trop quel terrain exploiter pour partir à la recherche des champignons que je connais. Déjà que j'en connais pas beaucoup. Après c'est pas ce qui manque. Hein. Bon ça je sais ce que c'est, ce n'est pas comestible, c'est des vestes de loup. Tiens regarde. Attends, je sais pas si on va bien le voir là. Ah. Salut. Bon, je connais déjà les noms comestibles. C'est déjà pas mal. Regarde ça, les beaux champignons. Mais bon, est-ce comestible? Est-ce pas comestible? Oula! Ça, quand c'est une éponge dessous, bah, j'en sais rien en fait. Voilà. Donc, on n'en sait rien. Putain, d'ailleurs, faudrait penser à se laver les mains. On peut toucher le Covid, mais bon. C'est pire. Voilà, tu vois. Tiens, regarde, encore des champignons là. Regarde. Hop. Tu vois, on peut bien se demander combien de temps ils ont mis, les chasseurs-cueilleurs, à savoir quels champignons étaient comestibles et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, je sais pas. Peut-être qu'ils les donnaient à manger. Alors prisonnier, puis ils voyaient ce qui se passait, ou alors ils ont domestiqué des chiens et puis ils donnaient à manger aux chiens, j'en sais rien. Je sais pas. C'est un mystère. Ils ont dû mettre du temps hein, quand même. Hein. Ça a pas dû se faire en 5 minutes, hein, tu vois. Ça a dû être long quand même. Hein. La légende raconte qu'un chasseur-cueilleur a ramassé ce champignon et ça l'a rendu malade. Du coup, après, il s'est énervé et il a renversé toutes ses pierres. Là. Bien sûr, tu me crois hein, quand même hein, quand je te raconte ça. Ah, c'est la légende. Hein. Que veux-tu y faire, ma Lucette? La légende, c'est la légende. Ah, bah non, merde, je croyais que ça allait faire de la fumée. Voilà, j'ai encore confondu une veste de loup avec ce truc. Voilà, alors là je te mets pas forcément dans l'ordre, quoique c'est pas forcément dans le désordre non plus, mais il y a un peu du tout venant, tu vois, c'est les photos que Nathalie a faites pendant les randonnées autour du Puy-Marie, donc c'est pas forcément le même jour, ni forcément la même randonnée. Et car moi je n'étais pas là avec mon handicap, tu le comprendras, j'étais souvent resté au camping, dans le camping-car, à me reposer.
et pendant que Nathalie sont partis en rando avec Thierry, Karine et Tom. Sauf le dernier jour où je suis monté avec eux au décollage parapente au sud Qui va se décider en du premier, on ne Puy-en-Velay. sait pas. Le Tom ici, hop là. Le Thierry, il est où? Son aile, elle est là, lui, il est là, voilà. Voilà. En revanche, je n'ai que l'atterrissage de Thierry, parce que c'est lui qui a volé le plus longtemps. Et Tom avait atterri avant qu'on vienne le chercher. Voilà. Il m'en reste à remercier tout le monde, hein. Surtout nos hôtes, Karine et Tom, au camping des Clos, pour leur accueil, Thierry pour sa bienveillance, Nathalie qu'on n'a pas très vue là sur les photos, les vidéos, bah oui, elle était pas au bon endroit au bon moment. Voilà, il m'en reste à remercier donc tout ce monde-là et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!